en étant à la rue, malgré que je travaille, quand j'ai des saisons à faire, je suis pas ESF. Quand j'ai pas de saison, je suis à la rue, je fais la manche. Et je me borne au niveau du gouvernement. Pourquoi ne pas donner de logement à des gens qui sont à la rue? On se fait capable de faire des choses. Oui, d'accord, envoyer d'argent dans les pays à gauche, à droite. Mais donner au moins aux gens qui veulent s'en sortir. Moi, à 70 ans, militaire de carrière, légionnaire, aujourd'hui mon pays m'a tourné le dos. Même à travailler au black, je refuse ce pas. 8h, 10h, j'ai 5 CAP à BTS dans les mains. Aujourd'hui, on me dit, non, vous êtes trop vieux. Quand j'ai dans les boîtes d'intérim, non. Moi, je veux retrouver une situation stable. Travailler, mais comment travailler? Quand vous êtes dans la rue, comment travailler? Vous êtes comment? Hein? Vous êtes pas bien? Vous êtes pas bien dans votre tête? Vous êtes pas bien dans votre peau? Vous êtes pas bien dans vos affaires? Alors, allez travailler où? Où exactement? On t'envoie balader, t'as pas de logement, comment tu veux revenir sur le système du travail? Comment tu veux travailler, dormir dehors? Comment savoir se réveiller? Comment savoir se laver tous les jours? Savoir se présenter à l'employeur? Cela n'est pas facile. C'est toute une vie s'enchaîne. Ça veut dire, pour moi, tu prends une chaîne, si t'as pas le dernier maillot, jamais tu pourras t'en sortir. Voilà. Je donne même moi-même étant SDF, sans rien du tout, sans domicile fixe, sans rien du tout, et je donne encore 20 centimes. 20 centimes. Qu'est-ce que c'est que 20 centimes donnés à une personne? Maintenant, si les politiciens ne sont pas capables de répondre, je voudrais bien que quelqu'un sort de son cercueil, ça serait Monsieur Coluche qui est mon ami, et lui qui a boudé les ressources du cœur pour donner la nourriture aux pauvres, qui a créé des maisons pour les gens dans la misère. Donc je voudrais que Sarkozy vienne nous voir un jour, et là on verra la vérité en face. Moi j'en ai ras-le-bol qu'on nous prenne pour des cons. Voilà. Convivialité au niveau de tout le monde. Au niveau de tous les passants, de toutes les personnes. Il y a certaines personnes qui sont au contraire conviviales. Au contraire. Et encore, des fois même, c'est des personnes qui comprennent ce que vivent les gens. Mais des personnes qui ne savent pas exactement ce que c'est que de vivre, donc on appelle ça, dans un trottoir, de vivre carrément dans la rue. Mesdemoiselles et messieurs, j'espère qu'un jour ou l'autre, ne serait-ce que même pour vos enfants, que vous n'aurez jamais ce problème que j'ai à l'heure actuellement, avec moi et mon mari. Et éventuellement, je peux vous assurer que c'est dur de vivre dans la rue. Je le souhaite à personne. Sur n'importe quelle personne, je le souhaite à personne. Parce que du jour au lendemain, ça peut arriver à n'importe quelle personne.